Donc ce type de trimestre où il y a plein de gens venant de partout qui viennent et qui se retrouvent ensemble pendant un mois ou quelques semaines, c'est très important parce qu'en maths, pour travailler, on a besoin de se parler, de se retrouver devant un tableau, de se raconter des choses. La théorie des modèles est une branche de la logique mathématique qui, dans un cadre général, étudie et classifie les structures mathématiques. Le thème principal de ce trimestre, c'est la théorie des modèles, mais aussi la théorie des modèles et ses relations avec deux autres sujets, la théorie d'évaluation et la combinatoire. Alors l'évaluation, on a l'habitude de travailler avec ce sujet et on connaît bien les gens qui travaillent dans ce sujet. En revanche, le défi un peu de ce trimestre, c'est de créer des liens avec les gens qui travaillent en combinatoire. Et donc en particulier, une des personnes très importantes en combinatoire qui a bien voulu venir rester ici pour un mois, c'est Jarek Nechetril qui vient de Prague. The applications are quite recent. So, do you think we're managing? Do you think this trimester is working this way? What do you think? I understood a little bit what you said, even in French. French, yes, I'm sorry. Of course, you understand some part of French, yes. I think this is a very, very nice and good semester because it's very actual. Mm. It's it's a hot topic, actually, it's the a very connection, hot topic. Yes. The model theory and the combinatorics. And I view it that both disciplines are somehow approaching the same thing from different sides. I mean, the model theory is approaching it from the generality, which is the main purpose, and it's somehow fundamental ideas. Whereas combinatorics is full of nice examples, but it's looking for the general statements. So they are meeting halfway. Halfway, yes. And I think we shall succeed. We'll see. Yes. So far it's going well. Yes. Et il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante dans ce genre d'activité, c'est de pouvoir mélanger les vieux et les jeunes. Par les jeunes, je veux dire d'une part les vraiment jeunes, c'est-à-dire les étudiants en thèse, d'autre part les un tout petit peu moins jeunes, ceux qui ont soutenu leur thèse mais qui sont encore post-doctorants. Et on dit toujours en maths que c'est des jeunes que viennent les idées les plus novatrices, c'est un peu vrai, il ne faut pas exagérer, mais pour arriver à les exploiter, ces idées, et éventuellement à les exprimer de manière compréhensible, les jeunes ont besoin de l'expérience des vieux et c'est dans ce genre d'activité et de discussion que cette expérience se construit en fait.